Bonjour, bonjour les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, avant de commencer la vidéo, j'ai envie de faire un nouveau concours de 2 millions de karma à gagner sur le serveur Telesia à la place de 1 million. Donc forcément, ça sera 60 likes à la place de 30 likes. Franchement les gars, 60 likes c'est pas beaucoup. On peut le faire facilement et tu peux gagner 2 millions de karma. Franchement les gars, un abonnement d'une semaine, il te reste genre 1 million 3 1 million 2. Franchement très très bonne affaire. Donc pour participer c'est super simple, abonne toi sur la chaîne, likez la vidéo et mettez votre nom de votre personnage dans les commentaires les gars. Comme d'habitude on change rien, sauf tu peux gagner 2 millions de karma à la place de 1 million. Donc voilà. Allez, maintenant on passe au astuce karma. Ça dépend de peut-être de brisage, peut-être. Allez, on se retrouve. Bonsoir l'équipe, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce karma sur le serveur classique. On est sur le serveur Telesia, c'est pas le serveur Draconeros. Bon les gars, aujourd'hui on va faire une astuce karma super super à la mode dans cette mise à jour. La panoplie malveilleur les gars, elle est super super utilisée. Les gars, juste aujourd'hui j'ai tombé contre 5 EK Flip d'Oppo R. Donc je vous montre la panoplie. Voilà, ça donne 30 dommages poussés et tout. Donc chaque item les gars dans les dommages poussés, regardez, les bottes dans 20, la quoi 20, la cape ça donne 30 dommages poussés. Donc les gars, elle est super à la mode, surtout sur les classes d'Oppo les gars, comme les EK Flip, les Yop, peut-être, je ne sais pas. La classe là les gars, c'est pas les héliotropes aussi les gars, les héliotropes aussi, et l'autre classe, j'ai oublié le nom les gars, les steamers, voilà les steamers. Donc ça part à 100% sans aucun problème, c'est garanti à 100%. De toute façon j'ai déjà fait ça et je montrerai l'épreuve de vente dans la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc je vais crafter deux bottes les gars, ça coûte pas cher hein. Ça coûte genre 800 000 kama l'unité. Donc je vais crafter deux bottes, deux capes les gars et deux coiffes. Donc en tout ce sera 6 items. Mais avant de commencer les gars, j'ai quelques preuves de vente à vous montrer rapidement. On va commencer directement. Bon, on a la feuille de printemps, rien de spécial, ça part très très bien sans aucun problème. Voilà encore une fois la feuille de printemps. La feuille de printemps encore une fois, double feuille de printemps les gars, ça fait plaisir. Double encore les gars, feuille de printemps. Voilà les gars, on a vendu les deux anneaux en gris trail plus la ceinture en gris trail qu'on a fait la dernière fois. Donc voilà, on a pour 8 millions 8 les gars, ça fait plaisir. Franchement ça fait vraiment plaisir. Et on a deux feuilles de printemps encore une fois, franchement ça fait vraiment plaisir. Il me restait seulement une ceinture les gars, j'ai pas envie de changer le prix. Donc tant pis, si ça part pas, je m'en fous, je suis pas pressé. Donc voilà. Et on a la feuille de printemps encore une fois. Et voilà la dernière preuve les gars, amulette du renouveau 185 000 kama. Et Dragon Den Prone est propre les gars, regardez les prix. J'ai montré les gars la vidéo d'Asus Kama des Dragon Den les gars. Les prix sont shootés de malade. Donc franchement c'est malheureux, mais bon voilà, c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Donc voilà voilà les gars pour l'épreuve de vente. Donc comme je disais, je vais crafter 6 items les gars, 2 bottes, 2 coiffes et 2 capes. Et on se retrouve juste après. D'abord j'ai combien de kama sur moi? Voilà, j'ai 10 millions de kama sur moi. Donc voilà, je vais crafter tout ça et on se retrouve juste après. Bon les gars, donc voilà voilà, je viens de crafter les 6 items. Voilà les bottes, capes et chapeau. Allez, on va les FM directement. J'espère j'ai les ressources, enfin les runes nécessaires. J'ai la flemme de checker et tout. Allez, donc on va commencer par tailleur. Donc normalement c'est facile à FM si je n'ai pas de bêtises les gars. De toute façon on va voir tout ça. On va commencer par la cape. Allez, allez, parfait.
Donc on a 60, 60, 60. Ok, pas mal, pas mal. Je vais juste mettre ça à 55. Ça, je vais mettre 10. Parfait. Et ça, je vais mettre genre 3 plus 10. Ok, pour les éléments, les gars, on est bon. Allez, je vais mettre 3. On s'en fout un petit peu. Voilà. Pour les dommages, c'est 11 minimum. Parfait. Parfait, les résistances c'est 10 les gars, c'est obligatoire pour les gens qui PVP et tout, donc c'est obligatoirement 10. 10, ok, pas mal, pas mal, je vais juste mettre ça. Parfait les gars, on est bon déjà. Je vais tenter de faire 3. Yes les gars, pas mal, pas mal. C'est pas grave ici, hein. Je vais juste spammer quelques runes comme ça, 55. Allez, passons crit, pas mal, pas mal les gars, pas mal. C'est pas grave. Non. Toujours pas, les gars. Tant pis. Tant pis, je m'en fous. Je m'en fous. Ça me casse les pieds, mais tant pis, je m'en fous, les gars. J'ai pas de chance, de toute façon. De toute façon, les gars, j'ai pas de chance. 11. 10, 11, 11. On est bon. Je vais juste mettre 3. Allez, 3. Merci. 3 ici. Plus 3 ici et on est bon je crois. Plus un seul dommage ici. Ok, les tacles on s'en fout. On est bon les gars, je vais mettre 2 critiques. On s'en fout, hein. J'ai la flemme de remettre les critiques. Je pense que ça part sans aucun problème. Maintenant je vais les gars faire 15 ici. Allez, passe. Ok, maintenant je vais tenter de mettre 50 direct. Normalement ça va passer, hein. Si je dis pas de bêtises, ça va passer. Voilà, on est bon. Je vais juste mettre un truc comme ça. Et un truc comme ça. Allez, passe, 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 passe. Passe, s'il te plaît, Dofus, merci. Pour les dommages R. Allez, passe, passe, passe. Allez, mais putain, passe. Ma, mais vraiment, j'ai pas de chance, quoi. Parfait. Pour la chance, je vais mettre 2 runes comme ça. Allez, parfait. Pour l'intelligence, les gars, je vais aussi mettre une rune. Pour l'agilité, c'est pareil. Allez, 55. Parfait, parfait. Les dommages R. Ok. La chance, ça me gêne un petit peu, les gars. Je vais mettre 5. Allez, je vais tenter de mettre 15 vitalité. Normalement, je peux stopper là, les gars. Le jeu est vraiment top, mais j'ai envie de faire 15. Non, tant pis, les gars. Tant pis. Regardez, les gars, ça passe pas. Ça passe clairement pas. C'est super chiant, putain. J'aurais dû stopper. Mais bon, les gars, mais bon. Je voulais mettre une petite over vitalité. 11. Les critiques c'est 2, au moins 2. Hein. On va pas abuser quand même, les gars. Les critiques c'est 2 minimum. L'intelligence, enfin l'agilité. Parfait. On est bon, les gars. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça part tranquillement, sans aucun problème. Franchement, j'ai vraiment envie de mettre 15 de vitalité de plus, les gars. J'ai vraiment envie, putain. Est-ce que je tente? Allez, je tente, je m'en fous. Je tente, les gars. Yes. Ah, merde. Les dommages R, c'est important quand même. Allez, passe en crit, s'il te plaît, Dofus. Passe en crit. Allez, passe en crit. Non, c'est pas grave. Je vais remettre 15. Ok. Ok les gars, bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Le jeu est vraiment clean. Il manque seulement 5 vitalités. Donc voilà, le jeu est vraiment clean. Bon les gars, on va faire la cape maintenant. Après, je FM tout ça hors caméra. Sinon, ça sert à rien. C'est répétitif. Je vous montre la cape rapidement. Est-ce que c'est facile à FM et tout? Ça doit être facile, j'ai l'impression. Ok. L'agilité. C'est ok, donc ça doit être facile, les gars. Enfin, j'ai l'impression. Ça donne 2 portées. Ok. Les restes, c'est 10. On va juste mettre 10 résistances. Ok. Les dommages, c'est 11 minimum.
Ok, 11, parfait. Les dommages, oh, c'est pareil, c'est 11 minimum. On est bon, les gars, on est bon. De portée, l'agilité, c'est ok. Bon, l'intelligence, c'est mort. On va juste ajouter quelques intel, les gars, plus quelques chances, et ça sera ok. Ok, on est bon, les gars, c'est déjà fini, j'ai l'impression. Ça manque juste quelques vitalités. Est-ce que je tente de mettre 50, les gars? Allez, pour le beau jeu, les gars, allez, je vais tenter de mettre 50. Non, ça passe pas, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. 1-1-1 pour les dommages. Oh, c'est 11. On est bon, je crois, les gars, on est bon. Je vais juste mettre 3 ici. On est bon. 11 dommages. Ok, 28, c'est ok. L'intelligence, je vais juste ajouter quelques trucs. Ok. Par contre, la vitalité, les gars, ça me gêne un petit peu. Franchement, ça me gêne, pardon. Est-ce que j'arrête là ou pas? Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, clairement, les gars. Franchement, on peut s'arrêter là. Donc voilà les gars, on va s'arrêter là. Je crois que ça part tranquillement sans aucun problème. Donc voilà les gars, je pense on a les bots. Allez, je vais vous montrer les bots après. Je stoppe la vidéo pour faire tout ça hors caméra. Donc pour les bots, allez, allez, ça lag un petit peu les gars, désolé. Donc pour les bots, c'est pareil, ça doit être facile là. Enfin, j'ai l'impression, les gars, ça doit être facile. Donc, 50. Je vais mettre 10. Parfait. On est bon pour les éléments. 3 critiques, PM. Les dommages, c'est 11 minimum, comme d'habitude. Voilà, c'est 11. Les dommages feu, c'est 11. Les résistances, c'est 7. Les dommages poussés, je vais mettre 3. Allez. Donc les résistances c'est 7 bien sûr. Ok, donc 7 pour les dommages feu, ce sera 11, parfait. Allez, les dommages poussés c'est très très important pour les gens qui jouent Dopu. Ok, on est bon je crois. Je vais juste mettre un truc comme ça, plus un truc comme ça. Allez, mais passe, ça lag un petit peu. Ok, je vais mettre la chance. Parfait, je pense on est ok. Je vais juste mettre à 49. Parfait, les gars. Est-ce que les trucs sont ok? Ça manque juste un dommage ici. Ok, plus un dommage ici, ce sera ok. Ok, c'est pas grave, les gars, pour des critiques, hein. Franchement, c'est pas grave. Bon, les gars, on est bon déjà. On est bon. Donc, voilà, les gars. Je vais affamer les 3 items qui restent. Et on se retrouve juste après. Restez jusqu'à la fin, les gars. C'est très, très important pour voir combien de BNF on va faire et tout. Et pour voir combien ça coûte en HDV et tout. Donc, voilà. Restez jusqu'à la fin. Les gars, donc voilà, c'est fait pour la fin. Bon, léger, les gars, c'est pareil, rien de spécial. Hein. Regardez, donc c'est tout pareil comme les autres. Donc voilà, c'est pas la peine de revoir ça. Comme je disais, c'est pareil. Donc voilà, allez, on va checker combien ça coûte. D'abord, on va voir combien j'ai dépensé. Je crois que j'ai quelques ressources sur moi. Voilà, on a 10 ce truc-là, plus 10 ça. Plus quelques trucs ici. Allez, on va dire 200 000 ici. Donc, on a 5 millions 2. J'ai payé 4 millions 8. J'ai payé 4 millions 8 pour 6 items là. Donc, allez, on va checker combien ça coûte en HDV. Je crois qu'il me restait rien en HDV, les gars. Seulement une ceinture. Peut-être je vais changer le prix maintenant. Je vais profiter pour changer le prix. Équipement. Allez, allez, allez. On va faire, j'ai l'impression on va pas faire beaucoup de kama puisque ça coûte pas cher, le craft coûte pas cher. Donc puisque ça part très très bien, donc c'est pas grave. Putain, 2 millions. Putain les gars, 2 millions 4. Le G, c'est pas ouf, le G de craft. G de craft. Les dommages neutres, il n'y en a pas. Un bon jet, bon.
Bon les gars, j'ai la flemme, je vais pas changer ça. J'ai un petit peu la flemme, je vais pas changer ça. Donc on va commencer par la cape. On a 1,2 million. Le G est vraiment cool les gars. Le G est vraiment cool. Donc je vais le mettre à 1,2 million. 1, 1, 2, 5, 2, 9, 9, 9. Ok. Pour la cape. Maintenant, enfin la coiffe. Maintenant la cape, c'est 1 million. Le G, ça manque les rases. Ok, je vais passer, je vais passer. Il n'y a pas les tacles et tout. Un bon G, mais il n'y a pas les tacles. Bon, on s'en fout un petit peu. Hein. Les tacles, les gars, on s'en fout un petit peu. C'est un bon G. Bon, les gars, je vais le mettre à 1 090 000 km. 1, 1, 8, 9, 9, 9. Bon, je vais pas casser la tête. Ça c'est pareil. Maintenant les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, c'est 1,1 million. Le G c'est pas ouf. Enfin G de craft, celle-là très très bon G les gars. Enfin pas vraiment bon, on va passer. 1,1,1, 7,3, c'est un bon G par contre. C'est un bon G les gars, à 1,1 million. Bon, je vais le mettre à 1,1 million. Je vais pas casser la tête. 0, 4, 4, 4, 3. Donc voilà, voilà les gars pour... Oh putain, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait vraiment de Kama. Mais putain les gars. On va juste... on a combien ici? On a 2... 6, 9, 3. Mais putain, je fais quoi là? Putain, les gars, on a 9, 6, 9, 3, 8, 8, 0. Moi, 200. Enfin, 2 millions 6 de ceinture en gris trill. Moi, 2, 5, 9, 8, 9, 9, 8. Ça fait combien? On a fait 7 millions. On a des le craft, c'est 4 millions 8. Moi, 4M8. Ça fait... On a fait 2 millions 3, les gars. Bon, c'est pas ouf, ouf. Ah, franchement, c'est pas ouf, ouf. Mais, vu que les items partent très, très bien. Donc, c'est rentable, les gars. C'est rentable. Franchement, c'est rentable. Ne vous inquiétez pas. Ça part très, très vite. Donc, voilà, voilà, les gars. L'astuce Kama d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour le concours de 2 millions de Kama à gagner sur le serveur Telesia. Et n'hésitez surtout pas à abonner sur la chaîne pour d'autres astuces comme ça sympa. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine.